Pardonnez-moi, je suis en retard. Je remplace au pied levé monsieur le curé. Le pauvre homme est au lit avec une espagnole. Mes bien chers frères, mes bien chers frères, nous voici réunis aujourd'hui en ce premier samedi de printemps pour célébrer dans l'allégresse la tolérance et devant le inquisiteur du Seigneur Jésus notre Dieu, en parfait accord avec les nouveaux arrêtés juridiques votés par nos députés, l'union de deux êtres qu'au départ rien ne séparait, deux êtres qui, au plus fort de leur foi, ont décidé de légaliser leur complicité plus que deux individualités depuis de longues années déjà. Merci de convoler en juste noce devant vos amis, Raymond et Jean-François. Raymond et Jean-François, deux homos aux multiples facettes qui, narguant les on-dit, contourne par derrière, emprunte un autre chemin, voulais-je dire, que l'usage est établi, et décide en ce jour de ne faire plus qu'un d'unir, pour le meilleur et pour le pire, leur destin. Raymond et Jean-François, merci de tourner le dos à ces préjugés douteux, et permettez qu'on vous fasse, qu'on vous confesse. Le droit de vous lier l'un à l'autre au pieu. Qu'on vous confesse le droit de vous lier l'un à l'autre. Ô pieux chrétien, ô pieux chrétien, solennellement, êtes-vous prêt à faire preuve d'attachement sans chaîne ni nœud? Qui qu'il en soit ainsi. Raymond et Jean-François, devant Dieu, vous vous entrelacez, rérerez, vous comparaîtes, rérerez, vous décidez, rérerez. Et si au fil des ans, de lourds nuages noirs obscurcissent votre relation, ternissent vos sentiments, que vos avis divergent, et, comme le disait le plus grand humoriste du XXe siècle, Pierre Desproges, diverge. C'est énorme. Gloire à toi, Pierre Desproges. Ton humour, ton écriture, tes initiales. Oui. Vendons le Seigneur. Non, louons-le, c'est moins cher. Non, oui, Raymond. Jean-François. Le Seigneur, dans sa grande circonspection, vous mettra à l'épreuve. Catastrophe naturelle, épidémie, infertilité, peut-être un jour serez-vous au fond du trou, mais il vous guidera vers la lumière, et en suivant sa voie, vous jouirez à nouveau des petits bonheurs simples et désuets, qui font le charme des activités de groupe. Groupe. Psalmodion, maintenant, tous ensemble. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vanina, qu'est-ce que c'est que ce texte? Raymond, Jean-François, sachez que pour que l'égalité des sexes soit parfaite, le diocèse prendra des mesures. Et c'est donc, non sans une pointe d'émotion, que je vais dès à présent procéder à l'échange des consentements. Cette cérémonie anale de l'anneau est le moment clé. C'est votre tante, je crois, qui, jalousement, garde par-devers elle vos alliances forgées. Madame, Serge,
Raymond, désirez-vous sur cet autel prendre Jean-François comme épouse, comme époux? Le désirez-vous? Eh ben dites-le, nom de Dieu! Pardon! Oui, il a dit oui, veuillez dans ce cas, Jean-Raymond, François Marron, veuillez! Veuillez lui enfiler la preuve irréfutable de la soleil. Ben bien sûr, l'anneau! Écoutons maintenant un psaume fort peu connu, interprété par la chorale des gens de votre village, et recueillons-nous dans la chaleur ouatée de cette cathédrale. Soit et Jean-Franmont, bonsoiron, soisson. J'aimerais vous remercier d'avoir pris langue avec mon cul. Ah, mon comité d'union liturgique. Et j'aimerais vous remercier d'avoir accepté de vous parer de blanc ce matin. C'est si triste d'être enfoncé. Bonne lune de miel, vous partez en Grèce, je crois, oui. À voile ou à vapeur? En bateau ou en train? Hein? En bateau, ah, quel beau choix. Viron de bord, moussaillon, ils sont le grand phoque. Oui? Raymond, Jean-François, que votre chemin soit parsemé de 1000 pétales roses. 1000 pétales de roses! Soyez heureux, soyez gais, soyez vous-même. Vous pouvez à présent introduire les mariées suivantes. Pascal et Virginie. Amen.